C'est officiel, le gouvernement a validé le 29 septembre le nom de la région. Carole Delga, présidente de la région, a salué cette décision attendue. C'est important que le gouvernement, par le décret, ait suivi le choix des citoyens. Dans la communication de la région, nous serons la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, comme nous l'avons délibéré au mois de juin. Et je vais rappeler que l'engagement de la région, il sera constant pour le département des Pyrénées-Orientales, pour les Catalans. J'ai mis en place plusieurs dispositifs. Tout d'abord, un contrat d'avenir pour faire de ce département un pôle en matière d'énergie renouvelable, en matière aussi d'agriculture, en matière d'infrastructures ferroviaires que nous devons développer. C'est également la création, je l'ai lancée la semaine dernière, de l'Office public de la langue catalane. Également, j'ai demandé à l'Eurorégion que le siège soit de nouveau à Perpignan. Et puis dans le cadre également du logo de cette région, Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, il y aura les griffes catalanes et bien sûr les couleurs sang et or. La région va lancer un concours ouvert aux designers, aux étudiants des écoles d'art appliquées et aux artistes. Ce concours sera lancé dans le courant du mois d'octobre via le site laregion.fr.